sixième et avait beaucoup de pression de Beaulieu derrière lui. Alors, il se fait accueillir à bras ouverts. Side by ouais, side avec Sirois derrière. Ouais, et même chose. Et Joël qui tente l'intérieur. Oui, de Joël qui plonge à l'intérieur contre la flèche et Bernier. Oh, c'est à trois tâches. Et personne ne se touche. Très bien exécuté. Oh, t'as du beau pilotage des trois pilotes. Là. Ça aurait pu être dangereux un petit peu, mais très bien effectué des trois. C'est du magique, mon ami. Alors, on revient à Michel Sauvé ici devant. Tout ça. Ouais. Perdre trop de temps en spike. Oh, Beaulieu qui passe plus de faire contact avec moi aussi, mais rentre quasiment en side by side et oh, bonne manœuvre pour récupérer la voiture. Là. Ça aurait pu être dangereux. On a Bernier qui réussit à. Je pense que c'est Bernier qui a fait un dépassement. Et là, les Team Penske qui se retrouvent ensemble. Alors, je pense que Bernier vient de profiter de Sauvé. Il vient de prendre une position. Ouais, Sauvé qui vient de perdre une autre position. Il est rendu 8e. Alors, Team Penske vont-ils travailler ensemble pour remonter ça jusqu'à l'avant? Derrière, il semble très rapide. Même chose pour Beaulieu qui pousse après. Il pousse au train de la flèche, lui. Alors, je pense que Léger. Je pense qu'on a une course de drag. Ouais. C'est parti entre Beaulieu et la flèche et Beaulieu semble être le victorieux. Oui, absolument. Beaulieu qui a clairement. On retourne à notre bagarre de devant. Course de drag, side ouais, by side, Gagnon et Beaulieu. Les... Oh, Gagnon qui. Ça vous vaincu et laisse passer. Là. Très bien fait, dépassement par Joël. Là. Bien préparé. Je suis vraiment surpris. C'est une très belle course jusqu'à présent. Ouais. Il réussit à maintenir. Pratique, qualif, course, ça va très bien. Ouais. C'est vraiment surprenant de le voir. Je m'attendais à le voir dégringoler tranquillement et décider de perdre des positions comme qui est arrivé en NASCAR justement, mais non. Il semble être très stable et très à l'aise présentement. Il semble pas perdre de position. Oh! Léger. Belle glissade ici, Beaulieu. Là. DG, il y a un petit peu de temps devant Bernier, on va regarder qu'on perd. Ouais, on a 2.5. Là, je suis sur Joël. On va regarder Bernier, il est à 2 secondes flat de DG présentement. Et oh, la flèche qui est sortie là. Je vais aller voir David Savoie, parce que je crois qu'ils sont les deux. Je sais qu'on a des batailles chaudes. Oh, Joël Beaulieu qui sort c'est sur une. Très lousse. Oh, ouais, qui est sorti sur une grosse dérape et ça aurait pu lui coûter cher. Là. Ouais, on connaît Thunder Valley, la sortie est vraiment dangereuse. Oh! Ça... Mais quel suspense! On a la flèche qui lâche pas. Oh, Beaulieu qui lâche. Ouais. Ça aurait pu être dangereux, ça aussi. Le gazon est mortel dans iRacing, là. C'est facilement. Un dérapage. Mais là, on a un train à 4 pilotes assez solide, merci. Puis là, c'est pas rien, là. Si on regarde derrière la flèche, là, c'est Howard, Gabriel David, Pat, merci. Beaulieu s'annonce. Ouais, Beaulieu s'annonce sur Sauvé. Et Sauvé qui laisse la place à Beaulieu, justement. La flèche pourra pas rentrer dans la ligne de course avantagée là-dessus. Non. Alors, les deux pilotes qui se sont laissés beaucoup de place, naturellement. Dans... Ça a donné un peu d'espoir à Howard de le rattraper. C'est tellement difficile gagner du temps. C'est tellement difficile de gagner du temps avec la Mustang. Là. Ouais. C'est pas la voiture la plus puissante, donc c'est plus pour vraiment éviter les erreurs. Exactement. C'est vraiment pas évident là, de réussir à rien échapper durant un tour là, quand on réussit quand on perd un petit 2 dixièmes à gauche ou à droite là, l'auto a pas de puissance alors c'est très dur à aller rechercher après.